y a 20 arrestations qui sont faites par la direction centrale de la police judiciaire et chef d'accusation, c'est viol, agression sexuelle, kidnapping, homicide. Le 5 février 2014, DCPJ a arrêté Camille Rivarol pour agression sexuelle, son petit monde de 14 ans. Noberson Gabriel est arrêté pour viol, son petit monde de 14 ans. Et Fritz Gédéon, qui a 48 ans, il fait agression sexuelle et physique, son petit monde de 11 ans. Il y a Lovinsky Desgrange, qui lui-même fait agression sexuelle, son petit monde de 4 ans. Il y a deux interpellations qui sont faites dans le cadre d'homicide que nous avons parlé là. Verno Jean Wilkins, lui est dit, monsieur ça a impliqué dans l'homicide, dans la mort, il y a la mort sous Karine Guy Claude Siani, qui est ressortissant lui-même français, et qui fête le 7 novembre 1973, côté que a été tué monsieur Saha dans la nuit du 10 au 11 novembre 2013 dans Mirbalet. Pour le moment, monsieur Saha a répondu à une question de CPJ. DCPJ a arrêté Immacula Michel Vériquin. Alors, dame ça lui-même, il y a plusieurs monde qui victimes de lui. Il promet en pile jeune de bourse d'études Cuba. Effectivement, il prend comme nom les monde ça arrivé Cuba et Cuba, malheureusement, il y a pas une assistance et puis immigration tourner avec eux. Alors, dame ça, il est pour le moment dans DCPJ. C'est Immacula Michel Vériquin. Nous t'ai parlé semaine dernière concernant dossier et kidnapping qui était fait sur Sami El Alezi. Et n'a rappelé que il était kidnappé monsieur Saha le 17 février 2014 dans Tabac 36 aux environs 4h35. Et DCPJ t'a libéré le 21 février 2014 dans la vallée de Boudon. Il y a $1,200,000 qui ont été demandé pour être capable de libérer. Mais heureusement grâce à concours de CPJ, il n'y a pas arrivé comme ça. Il y a 4 arrestations qui ont été faites dans le cas d'affaire ça. Alain Cérélus, qui continue de créer Peter Bright, César Laforêt, Augustin Burnet, Bergeau Jean. Et il y a un avis de recherche qui a été lancé de plusieurs monde. Et n'a pas eu encore. Woodley ETA, qui continue de créer son sang. Renel Nelfort, nous venons ajouter sur l'ISA que DCPJ a cherché activement qui impliqué dans le kidnapping qui a été fait sur M. Sami El Azi le 17 février 2014 dans Tabac 36. Il y a Eddie Félix qui a recherché tout dans le cas d'affaire ça. Il y a Gérald François qui tout a recherché dans le cas d'affaire ça. On a dit un ensemble de matériel que la police a saisi, DCPJ a saisi. 2 armes et 2 pistolets, un Glock 19 et puis un pistolet de 45. Alors on a noté que pistolet de 45 mm ça c'est un monde qui était victime, ça dit c'est propriété un monde qui était kidnappé déjà. Alors tu prends armes. Alors nous joignons les armes ça dans sous lieu de castration. Gain un gilet tactique, gain 4 cagoules, chargeur et plusieurs cartouches que nous avons là, 4 cônes, 2 plaques radio-communication, géophare, et puis faux batch police. On faux batch qui est inspecteur de police, mais malheureusement, si nous avons gardé les, pour ne pas faire différence pour nous après, avec batch qui est réel là, avec faux batch là. Côté que les mettent comme grade inspecteur, or pas un grade ça. Et tout court, dans la police, il y a un inspecteur de police, il y a un inspecteur principal divisionnaire, alors il y a un inspecteur. Alors nous prenons clairement son faux batch. Nous avons dit, monsieur Saha impliqué déjà dans près de 18 kidnappings. Il est impliqué dans le kidnapping qui était fait sous Niva Dessin, Pierre Jean Wesley, Rosbert Augustin, Ronald Décembre, Mackinson Antoine, Ford Jean-Baptiste, Jean-Claude Jean-Louis. Alors on a noté Jean-Claude Jean-Louis, son ressortissant canadien, et il était payé $100,000 comme rançon. Rodrigue Latouche, Sandrino Montironi. Mais il était bailli même $32,000 américains contre rançon. Emman Jean-Louis, Wilner Georges, Juliette Auguste Cornette, Joannis
bonjour. Je implique tout dans le kidnapping qui était fait sous Yves-Michel Bellefleur, Chérilus Gentil, Romain Armand, Rodrigue Maison, et puis dernier en date, c'est Samy El Alizi. Nous comptabiliser dans le cob que vous prenez dans les gens qui kidnappent comme rançon 1 889 500 $ américains que vous joignez. Alors, il y a des montants qui sont énormes. Par exemple, le kidnapping de fait sur Fort Jean-Baptiste, il prend $300 000 comme rançon. Sous Jean-Claude Bourgeois, c'est 100 000. Et puis, sous Rodrigue Latouche, $100 000 Et puis, sous Emmanuel Jean-Louis, rançon, c'était $400 000 Alors, son réseau qui a fonctionné, et il y a peut-être un réseau base Galil, et côté que la population, pour aller ouais, et 4 kidnappés, et que les CPJ mettent en bas code. Et n'a pas cherché activement 4 autres mounsos qui c'est Sonson ou DETA et puis avec Renel le récif que DCPJ a recherché.